What's up guys, c'est Skies. Aujourd'hui je vous parle du Beta FPV HX100. J'ai participé à une compétition de freestyle chez Planète FPV en fin de semaine. C'était le prix pour la première place, puis je l'ai gagné. Donc, aujourd'hui on fait une review, un test flight autant freestyle que race. On va embarquer tout de suite dans le vif du sujet. Le frame c'est un 100 mm, les props 48 à 65 mm. On a les 1103 8000 kV. On a un processeur STM32 F411, ESC BLES, processus One Shot 42 125, on a Multishot, D-Shot 125 300 600, caméra Runcam Nano V2, VTX 25 à 200 mW. Pour ce qui est des receivers, on peut mettre FR Sky, Futuba, DSMX, Crossfire, PNP. Mettez-en. Je sais même pas si, sérieusement, il y a assez de controller pour le nombre de receivers qu'on peut mettre là-dedans. On se rend au spot. Le bando. On va aller essayer ça. Puis on va voir exactement comment ça vole, cette histoire-là. Let's go. Bon, je suis en route pour le spot pour aller vous montrer autant le freestyle que la race avec le HX100. Cette little beast de 42 grammes. Donc, on se voit là-bas. Fait qu'on est rendu au building. Vraiment un beau spot, c'est vraiment un de mes préférés à Québec. Je vais m'installer juste ici. Oui, je rip encore des vieilles Fat Shark Dominator V3. Ils vont très bien. Hey, en passant, il faut que je vous dise. Thumbs up Michel, man. C'est vraiment apprécié de nous avoir fait faire du linge pour l'équipe. Ok. Props à Michel, sérieux. Man. Juste vous dire que je n'ai pas tuné le quad. J'ai juste mis mes raids dedans. Bon, let's go, on y va. Ouais, fait comme je vais vous montrer là, vraiment, c'est quasiment le même feeling que. Je veux dire, on peut faire pas mal tout ce qu'on peut faire en 5 pouces, juste pas mettre de GoPro. Mais tu sais, le mouvement est fluide, tu peux vraiment monter vite. Tu peux faire toutes les tricks que tu peux faire en 5 pouces. C'est quand même un building de 5 étages là, que je suis en train de back wall rider. Je veux dire. Moi ce que je trouve ça optimal. Ah oh, c'est ça que je savais comme ça. Il n'y a rien à dire là. Bon, on fait une petite practice avec le HX. De toute façon, on va déplacer l'intérieur, mais moi, je suis plus un peu de freestyle, j'ai vraiment du fun. Déplaçons-nous. Ok, il faut que je mentionne quelque chose. Ne faites pas comme moi. Je m'en vais dans un bendo en sandales.
Il y a un bon écho ici. On a la pièce principale, moi c'est ici que je vais m'installer. C'est malade. Le petit drone là est complètement insane. Bien sûr. C'est joke. Conclusion, un moteur qui s'est dévissé complètement. Sinon rien de brisé, là. Une hélice de plier un peu. C'est... wow. Sur That Guy, il est vraiment bon, man. Sérieusement là. As-tu vu la barbe qu'il a là? La barbe est égale le mérite. Conclusion de la soirée. Ok, le HX100, excellent drone. Si vous voulez commencer à voler, ok, c'est un excellent feeling, une excellente puissance, puis une excellente grosseur pour carrément apprendre le FPV, apprendre à voler. Le prix est abordable, 120$ US environ là, pour cette belle machine-là. Bien content d'avoir gagné ce prix-là à la compétition de freestyle là, samedi le 10 août dernier. Donc sur ça, on se revoit dans une autre vidéo.